Le 19 avril 1945, Mireille Skoritz avait 12 ans. Elle n'oubliera jamais ce qu'elle a vu ce jour-là. Une heure seulement après le crash d'un avion anglais sur le plateau de Vitrolles. La météo était mauvaise. Qu'est-ce que vous avez vu ? Les 7 corps là en bas, et il y avait les autorités en bas, et ils essayaient de chercher des papiers. Parmi les 7 victimes, le pilote sud-africain Harry Noël Greenberg, 28 ans. Sa famille, ses amis l'appellent Tani. Étudiant en médecine, rien ne l'oblige à s'engager dans l'Air Force pour rejoindre les Alliés. Tani aurait sombré dans l'oubli si des Vitrolais n'avaient cherché avec obstination à retrouver la mémoire des occupants du Douglas C-47. Au départ, c'est les anciens du village qui nous ont apporté un fameux cylindre d'avion qui avait dit, voilà, nous avons trouvé ça près de la falaise de Vitrolles. Et les gens disent que normalement, c'est le fameux avion qui s'est crashé le 19 avril 1945. Donc, automatiquement, nous avons commencé à contacter des associations de pilotes disparus. Là, nous avons eu de suite confirmation comme quoi les pilotes qui étaient justement morts dans l'accident de cet appareil se retrouvaient en fait au cimetière de Mazargues. En 2010, les recherches généalogiques aboutissent enfin, non pas en Afrique du Sud, mais en Australie. La famille Ramirez de Vitrolles noue une solide amitié virtuelle avec la famille de Tani, récemment émigrée en Australie. Aujourd'hui, Karen, la petite fille de Tani, peut enfin se recueillir sur les lieux du drame. Je savais qu'il était pilote et que son appareil s'était écrasé dans le sud de la France, mais je pensais que c'était après la fin de la guerre. En fait, ça s'est passé 19 jours avant la fin du conflit. Et pour moi, une part de mon héritage, de mon histoire, sont ici. C'est dommage que ma grand-mère et son frère n'aient pas pu être là pour partager cette expérience. Un hommage rendu 67 ans après par les arrière-petits-enfants de Tani Greenberg.